Bonjour à tous, alors voilà donc un petit exemple d'effeuillage de la vigne. C'est l'époque où effectivement le raisin commence à mûrir et vous pouvez effeuiller la vigne. Alors bizarrement j'ai commencé à l'effeuiller, je me suis aperçu qu'en fait en bas les raisins étaient mangés. Hein, une grise qui vient casser la croûte. Donc j'ai mis un petit filet, vous voyez. Un petit filet, donc ça suffit. Il n'y a pas de souci, ça leur fait pas de mal non plus. Donc ils m'ont mangé de 1, 2, 3, 4, 5 grappes. Mais c'est pas grave, moi j'en ai déjà mangé 4 ou 5 aussi. Vous voyez, donc il reste quand même pas mal de raisins. C'est vraiment, vraiment. Alors il est super bon, il est mûr à 90-95%. Donc tout va bien. Alors pourquoi effeuiller? Pourquoi enlever les feuilles? Tout simplement pour que le soleil, que les grains mûrissent plus facilement, etc. Donc c'est quelque chose qui est facile à faire, hein. À cette époque-là, en plus, les feuilles ne tiennent plus beaucoup, alors je vais enlever ça de là aussi. Voilà. Donc c'est simple, hein. ça permet à vos grappes de mûrir. Et puis, alors, ça, franchement, à cette époque-là, il n'y a pas de problème particulier pour ce qui est de la pousse, hein, le raisin. Alors voilà, cette petite vigne, c'est simple, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il y avait à peu près 40 grappes. 40 grappes de raisin tous les ans. Hein. Vous êtes quasiment sûr avec le petit abri là d'avoir des 40 grappes de raisin tous les ans. Alors c'est pas des grosses grappes, elles oscillent entre 100 grammes et 250-300 grammes. En moyenne les gens 200 grammes, mais ça vous fait 7-8 kg de raisin, tranquille. Sur une distance, sur un petit espace qui fait à peu près un petit angle là, il fait 80 cm. Et puis vous cueillez vos 7-8 kg de raisin, voilà. Il y a juste un petit toit, tout va bien. Et puis voilà, vous n'avez plus qu'à. Alors, un petit. C'est facile quand vous avez fait un petit encadrement de mettre un petit filet comme ça. C'est très facile, hein, ça s'accroche sur les vis comme ça tout facilement. Hein, vous voyez, il s'accroche même. C'est une simplicité totale, vous mettez ça en 5 minutes. Et puis voilà, ça empêche. Alors, le paradoxe, c'est même ce filet-là, il empêche les guêpes et les frelons de venir. Hein, parce qu'ils ne le voient pas. Donc, ils se mettent dedans, ça ne leur plaît pas du tout. Hein. Il n'y a pas de guêpe ni frelon dans ça. Pourtant, ici, il y a du frelon asiatique. Hein, maintenant, il y en a plein. Hein, on est envahi aussi par les frelons asiatiques. Et bien là, ils ne traversent pas ça. Voilà, et bien, écoutez, donc, commencez les feuillages de vos vignes. Faites-le maintenant. Alors, si vous l'avez déjà fait, il n'y a pas de problème. Et vous allez gagner en précocité, puis aussi en qualité. Hein. Voilà, et bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, donc, vous pouvez cliquer sur les liens sous la vidéo pour en savoir plus. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, au revoir.